mes poussins. Alors, on se retrouve pour une opening box comme le titre l'a indiqué. Alors, j'ai décidé de faire cette opening box hors cam parce que c'est plus simple pour moi. Et comme je manque de temps, bah, j'ai décidé de faire ça. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à préciser un petit truc. C'est que si vous entendez des bruits arrière, ça peut être très bien le vent dehors, les voitures qui passent, mes animaux ou mon chéri. Parce que malheureusement, je fais dans la pièce du salon, donc du séjour. Je ne peux malheureusement pas faire ça dans ma nursery étant donné que j'ai plein de bébés en cours et c'est le monstre bordel. Donc je dois le faire dans mon séjour. Donc voilà, du coup on va commencer. Donc ce colis vient de chez Boutique Reborn, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'aime beaucoup cette boutique, elle vend des bébés certifiés, on va dire, voilà. Et on a le kit ici, on a une petite odeur ici. Donc ça c'est un sambon, je sais pas si vous voyez bien, je vais me caler de façon à ce que vous voyez bien. Voilà, c'est un petit sambon, ça sent bon, c'est pour désodoriser le colis, et puis en même temps, c'est simplement pour pas qu'il y ait de l'humidité. Du coup, je vais juste le déballer du carton et commencer à vous le montrer. Donc je vais commencer par les bras. Donc j'ai rapproché la lumière, j'espère que vous verrez bien. Sinon, de toute façon, vous verrez bien dans les photos. Donc le petit bras, donc il s'agit de bras entiers. J'adore le vinyle de celui-là, il est tout doux. Oh, j'aime beaucoup, c'est tout doux. Donc celui-ci, oh ces petites mimines, je ne l'ai jamais fait, c'est un Real Born hein, au cas où, je ne l'ai pas annoncé mais c'est un Real Born. Oh ces petites mimines sont trop mignonnes, on va prendre l'autre bras quand même, un petit peu plus plié, mais j'aime beaucoup le toucher de celui-là parce qu'il est tout doux, il y a des vinyles qui ne sont pas aussi doux, celui-là il est tout doux. Ces petites mains, elles sont trop mignonnes. Oh, trop chou. De toute façon, comme je redis, hein, vous verrez la vidéo de fin, comme pour Laura, Poppy et tout ça, et les photos, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, la petite jambe. C'est bien emballé, en tout cas, cette fois-ci. Les derniers kits que j'ai pris, ils étaient un peu emballés n'importe comment. Encore une jambe entière. Trop mignonne, la jambe. J'aime beaucoup les petits plis qu'il y a dessus. Les petits plis, là, le petit pli ici. Oh, puis les petits pieds sont trop mignons. Tout ratatiné. Trop mignons ces pieds. Mais j'aime beaucoup la touche, la texture du... Vous voyez bien que c'est souple, hein, sa texture. Comparé à certains vinyles, je trouve que celui-là, il est souple. Mais j'aime bien ces petits pieds. Je sais pas si vous voyez bien, hein, parce que je vois pas ce que je regarde. On va découvrir l'autre petite jambe. Je pense qu'elle est un peu pareille, hein. Mais ouais, j'avoue que cette fois-ci, c'est vraiment bien emballé. Hein. Mais cette fois-ci, c'est bien mieux emballé. Chaque membre dans un sachet. La dernière fois, je vous rappelle, dans les autres vidéos que j'ai fait d'ouverture, c'était pas aussi bien emballé. Oh, celui-là, il est encore plus mignon. Bon, la jambe, c'est la même chose. Mais le petit pied, il est différent. Il est un petit peu plus rigolo, celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà. Il est mignon ce petit pied, mais c'est vraiment, j'adore la texture. Ça me fait vraiment penser au softline en fait. C'est souple. Voilà. Et maintenant, la tête. Donc là, on a la notation du cou. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc Real Born Marnie Asleep. Et donc sa petite oreille. Vous voyez bien sa petite oreille. Trop mignonne, un peu pliée comme ça. Original, elle n'est pas droite, elle a une petite pliure ici, comme si elle était un peu pliée. Son autre oreille aussi est un peu repliée, c'est trop chou, mais le vinyle est doux, c'est agréable. J'adore. Bon, elle a une petite fontanelle ici, et voilà la petite pépette. Mais trop mignonne. Mais franchement, en métissé, ouais, ce serait pas mal. Enfin, ce serait vraiment un métissage chocolat très léger. Comme les nouveau-nés en fait. Je vous mettrai quelques photos de toute façon à la fin. Mais ça lui irait bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup sa bouille. En tout cas, elle est super douce. Hein. Franchement, maintenant, je vais remballer tout ça. Maintenant, je vais passer à la vidéo. Donc, je vais la caler, vous la montrer un peu plus près. Et je vais ensuite passer aux photos. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Inside every mind,
If you look, you will find there's a child who never grew old, who sings to the trees like nobody can see, with the fire that never went cold. He looks up to the stars and the moon and at Mars and the endless expanse of the sky, devoid of all doubt, just a question of how to climb up to the heavens and fly. But time is advancing, a drip then a flood, he's adrift while you're stuck on the shore. And he sails away to the depths of our brains, and we can't seem to dream anymore.